A sniper on the ice, Mike Bossy mastered the art of putting the puck into the net to become one of the greatest goal scorers ever to play in the National Hockey League. Il a passé toute sa carrière avec les Islanders de New York et est rapidement devenu une étoile de la Ligue nationale en enfilant 53 buts à sa première saison, remportant ainsi le trophée Calder décerné à la recrue par excellence. À sa deuxième campagne, Michael a marqué 69 buts, devenant ainsi le joueur à avoir atteint le cap des 100 points le plus rapidement dans l'histoire de la Ligue nationale. In 1981, Mike Bossy went on to score 50 goals in 50 games, becoming only the second NHL player to have accomplished that milestone. Bossy in front, but that was cleared right to Trache. To Bossy shoots, he scores! Mike Bossy has his 50th goal! A standing ovation, 50 for Bossy, 1:29 left in this game. Dans une carrière qui a duré 10 ans, Michael a réussi 50 buts ou plus à ses 9 premières saisons, dont 60 buts ou plus en 5 occasions. Mike Bossy remained one of the premier sharpshooters through the 1980s and played a critical role in the New York Islanders' 4 straight Stanley Cup championships beginning in 1980. In 1982, Mike was the recipient of the Conn Smythe Trophy as the most valuable player in the Stanley Cup playoffs. Bossy a aussi été membre d'équipe Canada en 1981 et 1984 lors des tournois de Coupe Canada. While filling the nets, Mike Bossy was awarded the Lady Byng Trophy for gentlemanly play 3 times. He was selected to the first or second All-Star team 8 times. Le total en carrière de 573 buts de Michael Bossy le place au 6e rang des meilleurs marqueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Au total, il a amassé 1126 points en 752 matchs. Mike Bossy, one of the game's greatest right-wingers of all time. Hockey's Mr. 50. And now, a deserving member of the Hockey Hall of Fame.